Je voulais dédier un temps spécifique pour parler du groupe, de l'effet de groupe, de l'importance du groupe dans l'atelier d'écriture, en atelier d'écriture, parce que je crois que ce qui rend l'expérience particulière, c'est la confiance en fait que l'on arrive à installer, le respect, la bienveillance, la grande écoute aussi que les uns ont vis-à-vis des autres. Et c'est à mon sens ce que permet l'écriture. Rilke, vous savez, comme j'aime Rilke, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, que ce soit à travers les posts ou en vidéo, me semble-t-il, mais Rilke dit que l'autre n'est qu'un détour vers nous-mêmes, dans le sens où l'autre nous permet de nous reconnaître dans nos sensations, dans les ressentis aussi, de nous préciser, car il nous permet de nous interroger et en même temps d'envisager des réponses, si tant est que les réponses soient importantes. J'ai l'une des participantes à la fin d'un des cycles d'écriture qui m'a dit avoir eu rendez-vous avec une voix sans cesse repoussée, une voix inatteignable, sans une main pour franchir le silence imposé ou appris. Et je trouve que c'est une bien belle définition, c'est une bien belle représentation de ce qu'est le groupe en atelier d'écriture. Une main tendue, une main bienveillante. Oui, et c'est ce qui donne, je trouve, tout son relief à l'écriture et aux ateliers. C'est cette ambiance, cette atmosphère qu'on arrive à installer. Alors bien sûr, c'est une responsabilité qui m'incombe, bien sûr, mais pas que. C'est aussi cette grande écoute. J'aime beaucoup cette réflexion qui dit que on attire à soi, des gens qui nous ressemblent. Ben voilà, je crois qu'en atelier d'écriture, souvent, on est un peu entre soi et du coup la chose se fait très naturellement. Le cadre, je le pose parce qu'il est nécessaire, mais la chose se fait très naturellement et la grande écoute s'impose de fait, comme le grand respect et la grande bienveillance, en effet.